Le 16 novembre 2017, Ubisoft sortait en Europe un jeu tiré d'une nouvelle licence. Un jeu dont le rôle était, selon les dires de son créateur, de redéfinir le genre action-aventure sur la nouvelle génération de consoles qui venait de faire irruption dans nos foyers. Sans vraiment le savoir, Ubisoft venait de poser les premières pierres d'une saga qui allait marquer les joueurs et la pop culture bien au-delà de leurs espérances. Une saga qui allait perdurer à travers des jeux vidéo, des spin-offs, des livres, des comics et même des films. Une saga qui allait marquer l'histoire du jeu vidéo à tout jamais. Et cette saga, vous l'aurez compris, c'est Assassin's Creed. Aujourd'hui, le credo des assassins compte un grand nombre d'opus, et il n'est pas toujours très facile de bien en comprendre l'histoire, surtout que celle-ci est grandement entremêlée avec l'histoire avec un grand H. Nous allons donc, sur cette modeste chaîne, tenter de reprendre l'histoire de la secte des assassins depuis le début, en commençant par retourner de fond en comble le premier opus des jeux sortis, sombrement nommé Assassin's Creed.